L'attente attendue saison 3 de Stranger Things est sortie sur Netflix. Vous avez été très nombreux, comme moi, à l'avoir binge-watché sévère en une journée. Et faut dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, hein, le kiff était présent. Mais évidemment, une fois la fin arrivée, on en redemande. On se doute que Netflix va très rapidement commander une saison 4, hein, mais ça n'a rien d'officiel, même si les producteurs s'étaient dit il y a quelques temps assez confiants sur ce point. Et vu ce genre de post, hein, on se doute que c'est dans les cartons. Bref, dans cette vidéo, on va parler de la fin, mais aussi réfléchir et se poser les bonnes questions. Comme ça va spoiler, hein, ce qui est en soi logique, je vous invite, si vous ne l'avez toujours pas vu, à mettre pause à YouTube et revenir après. Vous inquiétez pas, je serai toujours là. Ça reste une vidéo YouTube, elle est toujours disponible. Rappelons les événements importants de la fin de saison, histoire d'être tous sur la même longueur d'onde. Joyce a fait exploser la machine russe qui tente de réouvrir le portail fermé dans la saison 2 et qui donne accès au monde à l'envers. Et désolé aux puristes, hein, je vais utiliser les noms en VF, hein, certains sont dégueux, on va pas se mentir, mais ce sera plus simple. En enclenchant la machine, elle condamna ainsi Jim Hooper. Ça semble évidemment plus complexe, mais on y reviendra plus tard. De leur côté, les jeunes ont affronté le flagelleur mental, une bestiole qui se nourrit d'autres êtres, hein, pour grandir. Au début, ce fut des rats, car c'est plus simple à absorber, et ensuite des habitants d'Hawkins. D'ailleurs, Heather et tous les autres semblent être bien morts, à mon avis on peut les oublier. De toute manière, on n'a pas forcément d'affection pour ces derniers. Pendant l'action, Onze a perdu ses pouvoirs et Billy lui a réussi à sortir de l'emprise du flagelleur mental grâce à ses souvenirs heureux et s'est sacrifié, sauvant ainsi la petite troupe. Pour terminer, Hawkins est devenue une ville que tout le monde évite, suite aux disparitions, complots et j'en passe. Et du coup, la famille Byers, qui garde trop de mauvais moments, préfère partir. Onze, Joyce, Will et Jonathan quittent ainsi la ville pour une nouvelle destination que l'on ne connaît pas, mais qui est forcément suffisamment assez éloignée pour éviter un aller-retour dans la même journée. Il y a aussi la scène post-crédit qui prend place dans une base russe avec le démon Gorgon, mais on y reviendra plus tard. Voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'il fallait retenir avant de commencer la vidéo. Mais évidemment, on peut aussi en théoriser plusieurs choses. Comment Onze va-t-elle récupérer ses pouvoirs? Hooper est-il toujours en vie? Qui est cet Américain dont les Russes parlent? Quels sont justement les projets de la Russie avec les monstres et le monde à l'envers? Et que va pouvoir bien raconter la saison 4? Pour commencer par justement la dernière question, de mon point de vue, on a déjà beaucoup attendu entre la saison 2 et la saison 3, et ce sera pareil pour la saison 4. Pas juste histoire d'avoir le temps de produire la série, parce que c'est déjà ok, ça prend du temps, mais surtout afin que les acteurs, et en l'occurrence les ados, puissent grandir, et que la différence soit encore plus marquée comme c'était le cas avec la saison 3. Par chance, à cet âge, on change très vite physiquement, et ça permet de ne pas avoir trop longtemps à attendre, ou de devoir modifier les visages numériquement. Au cinéma, ça passe, mais pour des séries, niveau budget, c'est forcément plus serré. Je pense que là aussi, au niveau de l'histoire, on aura minimum un an d'écart. Et pour ce qui est de la date de sortie, à mon avis, on l'aura pas avant un an et demi, deux ans. Ouais, je suis pas optimiste. Et contrairement à la saison 3, qui s'axe sur la fête nationale américaine, je vois bien la saison 4 prendre place à Thanksgiving ou Noël, comme le dit Mike à 11. Ça pourrait être cool, ça permettrait de nouveaux décors et une ambiance différente. Concernant les personnages, sinon, ils vont encore tous grandir et il y a moyen que la distance joue sur les relations, genre la séparation de Jonathan et Nancy. Je rappelle que si aujourd'hui tu lances Facebook et tu peux discuter, eh ben à l'époque c'était plus compliqué. Et bon, même s'ils ont accès au téléphone ou à la radiodiffusion de Dustin, c'est pas le plus pratique. Ensuite, j'espère surtout que Will va évoluer. Dans la saison 1, au final, il est surtout là comme fil conducteur mais ne joue pas de rôle important. Dans la saison 2, c'est l'élément déclencheur, mais sans plus. Mais alors, dans la saison 3, il sert vraiment à rien. Enfin, désolé à lui, hein, mais c'était le seul du groupe qui n'a pas évolué. Et c'est probablement un choix des équipes. Le fait de changer de ville, de probablement rencontrer de nouvelles personnes, eh ben ça pourrait totalement le changer, et je lui souhaite. À moins que l'idée soit carrément que Will, Jonathan et Joyce ne reviennent jamais sur Hawkins, car pourquoi pas, leur histoire est terminée. Je sais qu'à première vue, ça peut paraître improbable, mais en vrai, c'est possible. Peut-être que ces personnages ne reviendront jamais. En revanche, pour 11, hein, bah on se doute bien qu'elle va au moins revenir, rien que par le fait que le personnage est trop apprécié pour rester loin de tout ça. À la limite, elle serait décédée, c'est une chose, sauf que là, c'est pas le cas. Bref, elle va revenir. Quand on y réfléchit, ça a pas mal de sens, hein, de lui retirer ses pouvoirs. Ça offre déjà une certaine tension à nos héros qui n'ont maintenant plus l'arme ultra badass qui était 11, et qui rendait des fois les combats assez cheatés, hein. Mais aussi, prenons l'hypothèse où Hooper est encore en vie. Il lui suffirait de le chercher, et voilà, fini les problèmes, ça devrait être trop facile. Là, elle peut pas rentrer en contact avec lui, et donc elle suppose qu'il est toujours mort. Même si bon, on imagine qu'elle aura un parcours afin de les récupérer d'une manière ou d'une autre. Et concernant Hooper justement, en vie ou pas, c'est compliqué. Nos héros pensent que non, ils font même leur deuil, ce qui est logique au bout de 3 mois. Faut dire que normalement il a été désintégré, hein, donc le doute est pas permis. Hein. Pour autant, pas mal d'abonnés ont pu me signaler qu'ils ne retrouvent pas le corps, ce qui ouvre au doute. Sur ce point, on voit bien avec les Russes que l'explosion les transforme en poussière, donc il est normal, hein, de ne pas retrouver le corps. En revanche, ce qui est vrai, c'est que contrairement à ces fameux 3-4 Russes, on ne voit pas se désintégrer. Et du coup, forcément, comme dans tout film ou série, quand on ne voit pas le mec mourir, eh ben le doute s'installe. Et même quand le mec meurt, hein, des fois le doute s'installe aussi. Hein.
L'autre point important qui sème surtout le doute se passe dans la scène mid-crédit. On arrive dans une base russe qui sert visiblement de prison. Et là, l'un d'entre eux nous dit « pas l'américain ». Tout au long de la saison, Hooper est appelé justement « l'américain » par les Russes. Coïncidence, sûrement pas. Même si vous allez le voir qu'il existe aussi des arguments contre. Et que j'ai quelques théories. Qui pourrait être donc ce fameux américain? Hooper semble le plus évident, mais on en oublie un autre. Vous vous souvenez du Dr Brenner? Vu dernièrement dans la saison 2, on sait pas ce qu'il devient. On a un moment cru qu'il avait été bouffé par le démon Gorgon, mais visiblement il s'en est sorti, et se serait rendu dans le Connecticut. Et pas pour finir caissier, ça faut pas s'en douter, mais peut-être que c'est justement lui l'américain. Imaginez que la Russie a mis la main sur lui, et qu'il le garde prisonnier pour ses connaissances sur le monde à l'envers. En vrai, c'est crédible. D'où la Russie a autant d'informations, et de connaissances sur le monde à l'envers. Avoir un chercheur qui bosse dessus depuis des décennies, ça pourrait aider. Ça expliquerait aussi qu'ils aient un démon Gorgon, ils l'ont peut-être capturé en même temps. Ça reste des théories. D'autant plus que ça permettrait aussi de faire le lien avec 11 qui a perdu ses pouvoirs, et peut-être que lui va l'aider à les récupérer. Je divague, mais je me dis que c'est possible. Surtout que Hooper, ça me semble vraiment gros. Tout indique que c'est lui. Je veux dire, le nom, l'absence de décès à l'écran, etc. Alors ok, faut pas forcément chercher la surprise à tout prix. Mais là, tout semble nous faire penser qu'il est en vie. Ils auraient pu être plus discrets là-dessus, c'est débile. À moins justement que la tromperie soit là, que ce soit pas lui. Pour terminer avec les arguments contre que Hooper est en vie, il y a la lettre. Elle fait vraiment lettre d'adieu. Enfin, je sais pas vous, mais j'ai trouvé super touchante, ça fait une belle fin au perso. Typiquement les derniers mots que dit chaque héros avant de s'en aller. Si tu le fais revenir, ça casse le symbole à mon avis. Même si attention, j'adore David Harbour et le perso, mais parfois, faut accepter les choses, là, peut-être qu'il est mort. En revanche, j'ai aussi des arguments et théories sur pourquoi il pourrait être encore en vie. En plus du fait que l'on voit pas son corps partir en poussière, mais aussi que l'homme derrière la porte est appelé l'américain. Quand le gouvernement débarque dans la base secrète russe, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de russes, justement. C'est vide, comme si tout le monde avait réussi à prendre la fuite, embarquant peut-être Hooper avec eux. Ça me semble quand même peu probable, puisque je vois pas à quel moment ils auraient pu le récupérer, surtout que visiblement il est coincé. Et dans le cas où ce serait ça, comment? Je veux dire, comment autant de monde s'est barré comme ça rapidement sans poser de questions? Je veux dire, ils étaient probablement des dizaines et des dizaines, voire peut-être même des centaines, et ils ont réussi à se barrer sans que personne ne voit rien. À moins que ça soit pas évoqué, c'est possible. Moi, il y a une théorie que j'aime bien, c'est celle genre un peu what the fuck de cette vidéo, et je me dis pourquoi pas. En vrai, pourquoi les Russes font ça? Prendre le risque d'installer une base secrète aux US, c'est quand même pas mal, il faut vraiment que derrière, il y ait un projet. Imaginez qu'il existe plusieurs portails pour le monde à l'envers, et qu'ils ont trouvé un moyen de les relier. Ce serait fou qu'ils arrivent à s'en servir comme des téléporteurs, permettant pourquoi pas, si on part du principe que les Russes sont les méchants, d'envoyer des armées en plein milieu des États-Unis en simple claquement de doigts, genre un portail aux US et un portail en Russie. Alors ouais, j'ai pas vraiment d'argument pour appuyer cette hypothèse, on va pas se mentir, ça reste très flou. Mais je me dis pourquoi pas. Je doute que les Russes se cassent autant la tête avec ces portails si c'est juste pour récupérer 2-3 démons gorgons. Y'a forcément plus que ça. N'oublions pas non plus ce leak de verre dont on sait pas vraiment la provenance à part que ça fait fondre des sols. Ça aussi faut y penser. Et en plus, dans le cas où ils auraient bel et bien plusieurs portails, dont un en Russie, ça pourrait expliquer pourquoi ils possèdent un démon gorgon en prison. C'est qu'ils l'ont récupéré directement dans leur portail. C'est en tout cas le genre d'intrigue trop cool qui pourrait débarquer dans la saison 4. Pour terminer, j'ai l'impression que le mec qui est envoyé à la mort dans la scène mid-crédit est le même scientifique que l'on voit à côté d'Alexei. Je me trompe peut-être, mais il serait pas vraiment surprenant que ce soit la même personne, confirmant ainsi les théories comme quoi les Russes préparent bien quelque chose de gros. Mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Décidément, en tout cas, cette saison 3 fut fort en rebondissement. J'ai hâte d'ailleurs d'en parler avec vous en direct lors du talk. Le live aura lieu sûrement ce dimanche, même si bon, aucune horaire n'est définitive. Le mieux, c'est de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Je vais vous faire choisir via des sondages. Pensez à lâcher le pouce bleu, sinon le démon Gorgon viendra dans votre lit. Ouais, c'est prouvé scientifiquement sur Doctissimo. Et moi, j'y vais. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.